saurait le faire, des petits covering, on peut faire tout ce qu'on souhaite. Juste envoyer le dessin tout fait, on l'envoie, et ça fait. De base, vous pouvez trouver tous les coloris là, sur des tracteurs Vectra, et les jantes blanches et noires. On a vu comme ça. Là, vous avez trois types de stabilisateurs. Soit une hydraulique carrément avec les fendettes hydrauliques, des stabilisateurs automatiques, et surtout ce qui sont composés ici, stabilisateurs très simples, vous allez régler avec un perçage, un axe, tout simplement. Si vous voulez régler précisément, vous avez une, c'est monté sur une lumière, le perçage là on l'appelle une lumière, vous pouvez toujours jouer continuer à monter. Par la série A5, donc une série A5 qui va venir devant nous. Voilà, et 115 chevaux. C'est parti. Merci David. Donc, vous avez vu, dès qu'il enlève l'inverseur, le tracteur il a entendu qu'on enlevait l'inverseur, il vient filer le casque. Ça évite d'être en sous-régime et d'être en alerte quand on le fait évoluer. Pour la précision, alors là, qu'est-ce qui vient de nous arriver comme tracteur? Alors, regardez-le, c'est un série G5. Donc ce tracteur, la particularité, vous l'avez peut-être vu pour les plus précis, vous avez une suspension du pont avant qui peut équiper le tracteur. Cette suspension va apporter du confort. C'est des tracteurs qui vont pouvoir aller à 40 km/h bien sûr, qui feront beaucoup de route. Donc là on a toujours un capot plongeant. Et la particularité c'est que vous aurez en fait trois niveaux de finition avec soit des distributeurs mécaniques, tout simple, soit des distributeurs à commande électrique et un tracteur qui pourra, si on le souhaite, faire du guidage et qui aura la console que je vous ai montrée au tout début. Ça veut dire que le tracteur pourra avoir un guidage soit en submétrique, soit en RTK, il pourra même faire un demi-tour automatique. Donc on a trois niveaux de technologie, soit un tracteur d'élevage, soit un tracteur un peu plus armé au niveau du chargeur avec de l'hydraulique, et enfin un tracteur de grande culture avec des fonctionnalités plus poussées, du guidage et du distributeur électrique. Toujours les fondamentaux sur ce tracteur-là, de la visibilité, de l'accès à la cabine, du confort, un tour vitré et une excellente ergonomie en cabine. Voilà. Il a été reconnu effectivement comme un tracteur particulièrement dessiné pour les éleveurs. Et encore une fois, il faut savoir que c'est plus facile de réussir un tracteur de 300 chevaux qu'un tracteur de 120 ou 130 chevaux qui va être polyvalent. Parce qu'un polyvalent, il doit être bon partout. Il doit être capable de lever un combiné de 3 mètres, d'entraîner une turbine, mais il doit être capable aussi d'amener tous les jours à au limousine, Holstein, etc. avec un modèle dessineur, un chargeur frontal, etc. Normalement le N5, on est toujours sur du 4 cylindres depuis le début. Alors le N5 en fait c'est un tracteur qui va être encore plus polyvalent, qui va démarrer de 130 à 200 chevaux. On va avoir 3 modèles. Et là on aura 4 finitions. Ça veut dire que la nouveauté par rapport à ce qu'on vient de voir, c'est qu'on aura en plus une variation continue de disponible. De boîte de vitesse, on ne passe plus les vitesses. Alors, on va avoir deux tracteurs, celui de droite, vous regardez bien, il a des leviers de distributeur mécanique, vous les voyez. Celui de gauche, lui, va avoir des leviers de distributeur électrique, c'est la console qu'on a vue au tout début. Voilà. Donc là, on a une série active à votre droite avec le chargeur et une série versus à votre gauche. Donc la particularité, c'est qu'on a travaillé énormément sur le confort. Vectra est la seule marque de tracteur à partir de 130 chevaux qui peut dès à présent offrir un pont avant suspendu pneumatique. Le pneumatique, c'est le top du confort et on est les seuls à le faire. Qu'est-ce qu'on sait également fournir des 130 chevaux chez Vectra? Eh bien, un poste inversé. Vous allez avoir aujourd'hui des utilisations de plus en plus, on va faire du binage et on va travailler avec des outils de travail du sol en poste inversé. Donc on retourne le siège et on a la vue complète sur l'arrière du tracteur, comme le noir qui est derrière vous là à la vue. Autre particularité qu'on peut voir sur ce tracteur-là, la cabine forestière Skyview, qui va permettre d'avoir une visibilité haute pour faire du damier par exemple, de la vue. Et enfin, je vous l'ai dit, il y a 4 finitions. Donc des tracteurs qui pourront être à la fois typés en mode élevage comme celui-là, avec des commandes de distributeurs mécaniques pour les principales. Ils conservent quand même pour le chargeur des électriques, donc on a vraiment du confort. Ou alors une partie beaucoup plus culture et grande culture avec du guidage, des distributeurs à commande électrique et encore une fois un niveau de spécification qu'on pourra faire à la demande du client. Certains pourront par exemple rajouter de la modulation, de la coupure de section qui sont aujourd'hui des fonctionnalités qui travaillent parfaitement avec des outils derrière en IsoBus. 130-135 chevaux, 3 modèles. Le dernier, en fait, il est juste derrière vous, c'est le Flex. On n'a pas encore parlé. Si on veut sortir de la puissance, il faut de la cylindrée. Et voilà les bébés, des tracteurs qui font 3 mètres d'empattement, qui sont extrêmement stables et très confortables.
Regardez les suspensions, là, au fur et à mesure qu'ils passent à chaque fois les à-coups. Vous voyez les poumons en avant qui rebondissent. Voilà. Donc là, on a deux modèles de la gamme. Alors au passage, vous avez vu, ils n'ont jamais la même couleur, les tracteurs Valtra. Pourquoi ? Ben, chez Valtra, vous avez une couleur de base générique, qui est le rouge qui est derrière vous ici. Mais sinon, vous avez le choix des couleurs d'usine. Ça peut être du noir, du vert, du rouge bordeaux, du blanc, du vert olive, du marron. Et après, on peut même aller faire des couleurs spécifiques à la carte, à la demande du client, pour des clients qui ont une couleur d'entreprise spécifique. Voilà. Alors les tracteurs T5 qu'on a sous les yeux ici, donc ce sont de belles machines, la gamme 145 à 255 chevaux, et là c'est pareil, quand ils sont en colère, le 255 chevaux, il devient 270. Donc c'est des tracteurs qui sont, encore une fois, très polyvalents, mais leur particularité, c'est qu'on les a voulu longs pour qu'ils soient stables. Souvent les gens recherchent des grandes roues, des grandes roues, des grandes roues. Ça sert à rien d'avoir des grandes roues si on est sur des tracteurs courts. Voilà, plus on a des tracteurs longs, plus on a d'adhérence. Plus on a de confort sur route parce que ça ne balance pas. Et ça, qu'on soit sur un N, un T, un Q, un S, Valtra est celui dans sa catégorie qui a les tracteurs les plus longs d'empattement. Et le revers de la médaille, quand on a des tracteurs longs, c'est qu'en général, ça ne braque pas. Voilà. Donc, on a trois ateliers tout à l'heure et j'invite tous les sceptiques du braquage à monter dans ceux qui braqueront le moins, c'est-à-dire les Q5, les T5, parce que c'est les plus longs. Et puis on se revoit à midi à l'apéritif. Voilà. Et ça, je ne vais pas vous en parler, il faut que vous, absolument que vous le perceviez. Voilà. Donc on a fait les tracteurs longs qui sont stables. Ces tracteurs, encore une fois, quatre finitions. Soit des finitions high-tech actives, très simples, avec des distributeurs mécaniques. Soit des distributeurs électriques avec une power shift ou une variation continue. Et là, on saura aller faire du semi, du chargeur, du TP, de la glue forestière, du broyage. Voilà, toutes les applications sont couvertes. Donc souvent, quand on vous parle de T5 chez Valtra, on n'arrive pas et on ne donne pas un prix pour dire un 200 chevaux, ça vaut tant. Parce qu'avant de vous donner un prix de 200 chevaux, il faut savoir qu'est-ce que vous allez faire avec. Et on a une palette de possibilités à vous proposer. Voilà. Alors voilà le plus gros qu'on ait aujourd'hui à vous présenter, c'est le Boss. Alors presque, parce que le Boss chez nous, c'est le S aujourd'hui. Et ça, c'est le tracteur série Q5. Alors, quand vous voyez quelqu'un en photo chez Valtra qui fait le V comme ça, ça ne veut pas dire victoire, ça veut dire Valtra. Vous le voyez le V dans la calandre qui était allumée jusqu'à ce qu'il arrive là. Donc là, on est sur une série Q5. Avec des tracteurs qui vont aller donc de 230 à 300 chevaux, un tracteur qui sera exclusivement avec une transmission à variation continue, exclusivement à l'intérieur qu'on a vu au tout début là-bas avec la console de commande et la boudoir SmartClutch. Des tracteurs qu'on a fait sur mesure, que nous fabriquons en Finlande, avec une cabine spécifique qui n'a pas de montant à droite, qui peut aussi recevoir du Skyview. Un tracteur qui pourra avoir donc un très bon braquage, encore une fois vous l'essayerez tout à l'heure, des pneus de capacité adaptée, et donc on a Vincent qui va venir nous voir dans quelques instants, qui sera là-bas. Ouais. Les pneus, on est passé en 2,05 m à 2 mètres de diamètre. Ces pneus, vous regarderez, il y a des tuyaux qui dépassent devant là, à droite et à gauche. Des fois on les voit, des fois on les voit pas, des fois ils sont cachés, ça dépend des finitions. Et en fait ça s'appelle le télégonflage. Ça veut dire que tous les tracteurs que vous venez de voir passer peuvent, pour les clients qui le souhaitent, être équipés dans notre atelier de personnalisation qui s'appelle Unlimited, d'un équipement de télégonflage. Donc le client qui se dit, bah, tiens moi je voudrais un télégonflage, je monte ça à l'usine. Et en fait, c'est pas tout à fait l'usine, c'est notre atelier de personnalisation qui peut mettre votre nom sur la cabine, mettre votre couleur, mettre des phares à LED, tout ce que vous souhaitez.